La fête de Tabaski est l'une des fêtes les plus importantes de la communauté musulmane. Et contrairement à la fête de Ramadan, un engouement de taille entoure la fête de l'Eid el-Kébir. Malgré les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, les citoyens de Kankan prennent d'assaut les différents ateliers de couture. Comme en témoigne Mariam Keita, propriétaire d'un atelier au rond-point Koumrala Loisir. Ah, c'est nous ici, ça marche. Hein. Vraiment, ça marche. Parce que moi ici, vraiment, je ne chôme pas. Même si ce n'est pas la fête. Je travaille. Oui, il y a beaucoup de jabis aussi. Hein. Ça allait pour moi-même à vendre. Moi aussi, je vends les habits, des robes à broder. Donc vraiment, je n'ai même pas touché ça. J'ai fait pour les clientèles. Après la fête, j'ai commencé pour moi-même. À l'atelier de couture de Mamadou Bari, lui et ses apprentis travaillent d'arrache-pied pour terminer les habits qui sont à leur possession. Mais il laisse entendre qu'avec la pléthore d'habits, il risque de ne pas être dans le temps avec certains clients. Moi, malgré que j'ai fait un déplacement, mais bon, les clients, ils répondent quand même. Beaucoup de clients quand même. Tel que je n'ai pas pu faire pour tout le monde. Parce que les gens viennent au dernier temps aussi. Ça trouve que l'intervalle qui nous reste d'ici la fête est petit par rapport à ce qu'on doit faire. J'ai toujours dit la vérité aux clients. Ce que je ne peux pas faire, je le dis franchement, je ne peux pas faire ça. Les rendez-vous quand même, il n'y a pas faux rendez-vous chez moi ici. Rencontrée dans un atelier de couture au quartier Bricteri, Mademoiselle Nyalen Kamara n'a pas encore cousu son habit de fête. On lui a dit qu'il n'y a plus de place. Ce sont mes clients, ils savent bien coudre mes habits. Je suis arrivé en retard. Ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup d'habits à coudre. Je vais plaider. Moi-même, j'ai vu qu'ils ont beaucoup d'habits. Je n'ai pas eu d'argent très tôt pour acheter mon habit. C'est pourquoi je suis en retard. Cette année, la Mamaya de Kankan a été annulée à la dernière minute. Cette décision de la notabilité est motivée par le respect des mesures barrières. Tout de même, elle est contestée à Kankan par bon nombre de citoyens, notamment les femmes qui avaient fini de coudre les tenues de la Mamaya.